si tu parlais à quelqu'un qui connaissait que dalle au bateau? Eh ben, en gros, la tête d'allumage permet de répartir le courant électrique de la bobine au rotor qui, lui, va ensuite pouvoir permettre... C'est une pièce très importante. Sans ça, on ne pourra pas démarrer le Duke of Milan. Pendant que ces idiots recherchent l'or de Mandchourie ou je sais pas quelle connerie à bord de ce gros cercueil ambulant, nous, on va en profiter pour trouver un moyen de se tirer d'ici. Oh, le bug! Le mec à la lunette, il a disparu. C'est vrai, très très bon ça. Je m'en trouvais louche. Mademoiselle Rivera, appartement 2, 275 Lockwood Drive, Mission Springs, Cincinnati, Kentucky, 41 027. Salut trésor. Au fait, tu me manques énormément. Encore 3 mois avant ma prochaine permission et je me jette dans tes bras. 3 mois. On est allé boire quelques bières avec les gars lors de notre dernière permission à terre. Mais ne t'en fais pas, ouais, je m'assure de rester en forme pour toi, si tu vois ce que je veux dire. Comment va le boulot? J'espère que ton patron te fiche la paix. Je sais que tu peux te débrouiller seul, mais je me sens impuissant quand je suis si loin de toi. Je voudrais te protéger. Hé, j'ai trouvé un truc par ici. Toi, Starbull, qu'est-ce que t'as fouillé? Putain, j'espère qu'on pourra pas. Attends, j'ai fouillé un truc là-bas, là. Là-bas, il y a un tableau. Ah, c'est ce que tu as, non? Ouais. SS. C'est écrit SS en bas. Je me demande ce qui s'est passé. SS, mais il y a un truc arraché. Attends, j'ai fouillé là. Vas-y, essaye de lire le tableau, ça se trouve, tu vas pouvoir le... Là, je suis en train de fouiller les petites lunettes. Wow. Journal sur la table. Donc, toi tu le lises. Ouais, c'est fait. Où t'étais à l'instant là? Non, en la table du milieu. Ah. Juste à côté de la lampe. Bizarre que ça ait été arraché. Mais pourquoi on l'a abandonné? Quand tu retournes dans le monde. American Overseas Gangs, tuerie de 1947. Des archéologues disparus en Irak. 24 archéologues britanniques ont disparu dans les monts Zagros en Irak. Zagros, en Irak. L'expédition Oxon était arrivée en septembre dernier dans le but annoncé de mettre au jour. Juste la peine. Quoi? J'arrive pas à l'ouvrir. Hé! Par ici! Si on arrive à l'ouvrir, on est libre. Oh! On sait pas du tout où ce conduit va nous mener. Peu importe où ça nous mène, ça sera jamais pire qu'ici. Est-ce que tu veux que je défonce ce mur? Ah ouais, bien sûr. Place à la testostérone. Quelqu'un devrait faire diversion. Ce sera pas discret. Ouais, ok. J'ai une tête de folle, la meuf. Occupe-toi. Hey.
je crois qu'il va partir avec. Quel gros chouin ce mec. Ne pars pas la gare avec moi mec. Je te vends. Oh le bâtard. Non, pas question. On doit retourner chercher Fliss. C'est ma faute s'ils l'ont chopé. Ouais, faut la trouver. Pas question. On joue pas, ouais. Faut qu'on arrive à se tirer d'ici le plus vite possible. C'est vrai. Je suis qu'une merde. Mais c'est mal expliqué, genre si je... Ça sert à quoi si je pousse comme un demeuré? Tout le monde se barre sauf nous deux. Oh, pas mal, petit boule. FAQ, personnel navigant, règles supplémentaires concernant le tour de garde. En raison de mesures de sécurité spéciales liées à cette mission, des règles supplémentaires doivent être observées par les soldats lors des tours de garde. Double garde devant toutes les portes et pendant les tours de garde. Interdiction de bavarder, de jouer, de fumer, de boire de l'alcool, de parier. Tout membre du personnel de garde en surpris en train d'enfreindre l'une de ces règles se verra infliger une punition sévère pouvant aller jusqu'à la cour martiale. Rôle du capitaine Poole. Attention, personne n'est autorisé à entrer dans la cale 3A. Je ne plaisante pas, personne. Et cette dernière phrase a été rajoutée à la main. Donc c'est quelqu'un qui... Ah, on y va. Vas-y, let's go la cale 3A. Merde, j'espère que Fliss va bien. C'est une dure à cuire. Mais qu'est-ce qu'il y a? Un bon petit boule, toi, Yonk. Je sais que j'ai un bon boule, hein. Laisse-moi passer. C'est moi qui ai la lumière, Starball, n'oublie pas. Oh. Oh. Viens Starbull, j'ai ouvert une pièce secrète. J'arrive. Vas-y, allez. C'est par où? À gauche, ouais. Ouais, ouais, là, gauche. La porte suivante. Oh, quelle horreur. Oh, il y a quoi ici? Bata. Tu fais Barjo? T'as fouillé ici? Et où ici? Je sais pas, je suis dans la machine à laver là. Attends. Oui, le linge sale. Il y a un à fouiller. Moi, sincèrement, je serais pas rassuré dans ce bateau. Je veux juste savoir où ils sont tous passés. Il devait y avoir des dizaines de passagers à bord, des centaines. Ils ont pas pu disparaître. Surtout pas en laissant tout derrière eux. Il y a un truc qui cloche. Qu'est-ce que t'as fait, Starbull? Mais juste ça, si. Ok. Bah, y'a quand même le truc qui est tombé, là, c'est chelou. C'est grave. Oh, j'ai pas un truc ici. T'es parti, Starbull, attends-moi! Oh! Un petit passage ici. Oh! Bien! Salut! Salut! Oh, au fond, y'a un truc. Un cadavre ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un stab des chiottes ou quoi? Grave. Ah, c'est une photo? C'est une lettre. Eh bah, trouve un secret. Waouh.
Voilà, ça tombe encore. N'oublie pas de retourner le truc. Ma chère Ailes, ça y est, je rentre enfin à la maison. C'est presque fini, mon amour. Une dernière traversée du Pacifique et je serai de retour auprès de toi et des enfants. J'ai hâte de vous revoir. Dis à Ned et Nancy de se préparer, parce que papa sera bientôt là avec des cadeaux pour tout le monde. Je ne suis pas fâché qu'on ait repris la mer. Il fait une de ces chaleurs à terre, pire que l'été en Oklahoma. Et pas moyen d'y échapper. J'ai tenu le coup grâce à tes lettres. Il les censure. Il les censure, ce qui n'est sans doute pas plus mal. Car certains les volent parfois pour les lire, et je ne veux pas qu'ils lisent nos lettres. Je sais. Oh! Il est servi en plein. Quand t'appuies R1, quand t'appuies R1, ça te met pause. Oh là là, ça a cassé la lettre, il faut que je refasse toute l'action. Désolé. Alors. Je sais me fait froid dans le dos. Pourquoi ? Ça veut rien dire ça, je sais me fait froid dans le dos. Il dit qu'il y a un petit garçon à bord dont la voix lui rappelle celle de Ned. Je sais qu'il se fiche de moi, c'est impossible qu'on ait un passager clandestin. Nos agents spéciaux sont bien trop vigilants maintenant que la guerre est finie. Je parie que cette partie sera censurée, et ça montre l'effet que cet endroit peut avoir sur quelqu'un. Je dois te laisser, j'entends du bruit dehors, ce qui veut dire que je vais être occupé pendant un moment. Je te redonne des nouvelles bientôt, je t'embrasse. Robert! Oh my god, Robert. You are so strong, Robert. Mais passe par. Oh là là, c'est une merguez. Robert! Robert! Passe par là. T'as entendu ça? Si tu parles de ce bruit carrément flippant, non, j'ai pas entendu. C'est ça, très drôle. C'était quoi à ton avis? Mais ça pourrait plus croire. C'est un truc qui se dépasse. Attends. Putain, mais c'est mal fait. Attends, hop, je passe par là. Ça me fait carrément flipper. Eh oui. T'en fais pas. Voilà. Y'a quoi ici? Cet endroit est gigantesque. Regarde, Starbull. Un mur. Waouh. C'est fou. Oh, le lag de merde. Oh, t'as rien vu toi, Starbull, quand tu t'es mis en haut? Non. Oh putain, moi j'ai vu quelqu'un bouger en bas, mec. C'est bien fait. Ah, c'est trop. Ah, je m'attendais pas en plus, vu comment ça a été fait. C'est bien fait, vu que moi j'ai pas crié. Hey. Bien. Ah, c'est un petit livre. Des fois, il y a des livres, mais tu peux pas les ouvrir. Faut que je lâche le R2, mais c'est mal fait en fait. Le 19 juin, j'ai découvert des faiblesses structurelles et des fissures dans certaines sections de la cale 1. J'ai demandé au charpentier d'effectuer les réparations nécessaires. J'ai conseillé au capitaine de ménager le navire pour le trajet du retour, surtout si le temps se gâte. Une manœuvre un peu trop brusque pourrait le casser en deux. Waouh! Rassurant ce bateau. 20 juin, on m'a signalé des dysfonctionnements de certains appareils électroniques. J'ai découvert des barres d'étain. Des barres, non?
J'ai découvert sur des barbes d'étain sur certains composants. Voilà, il y a des problèmes de traduction des fois. Hein. J'ai nettoyé les soudures et leur ai ajouté du plomb, ce qui a remédié au court-circuit et devait ralentir la formation des barbes. Des barbes ? Ça va être un problème que je connais pas dans le milieu électrique. Soit ils sont plantés, soit c'est quelque chose que je connais pas. Eh bien, Starbull. Allez. Waouh. Waouh. Oh. Ah non, putain, mais ici, voilà. Posez. Putain. Mal foutu des fois, faut que tu mettes bien dans l'angle et tout. Ouais, oh, les lags. Oh, y'a un cadre. Oh, j'ai un flashback, faut pas l'oublier, il y a le Renoir qui est avec nous, il va se faire éclater la tronche par on sait pas qui. Ah Dark. Ça va et vous les gars? Ça va. Pardon. Ça va et vous les gars? Ouais, bah, j'ai fait une belle journée de merde, donc ouais, je suis content. Bien ça. Ah ouais, on a eu personne, tous les autres magasins de Rennes se sont fait défoncer, nous on a eu personne, c'est... Genre on est pas assez bien pour eux quoi. Chacun son jour de gloire. Hein. Ouais. Bon alors, ce Man of Medan, ça donne quoi? Bah franchement, c'est sympa. Hein. C'est sympa. Le côté coop où on voit pas les mêmes choses l'un et l'autre, c'est cool. Après, on est au début de l'intrigue, mais. Mais moi, un petit jeu en partage, t'es pas en stream là, si? Ouais, mais non, je le fais pas parce que j'ai une code merde. Et alors? Bah ça bouffe la co. C'est en stream. Non, j'ai arrêté le stream parce que ma co était pourrie. Bah, c'est un tilt down en coop. Hein. Avec une histoire différente. Y'a pas de nouveauté niveau gameplay quoi. Je vais me faire péter le cul comme il faut, c'est pas grave. Si t'as aimé un tilt down, t'aimeras. Oh! T'as vu ce qui s'est passé en Formule 2 cet après-midi? Oh, Starbull! Je vois le livre en lévitation chez toi, mec! Pas très bon ça. De quoi? T'as vu ce qui s'est passé en Formule 2 cet après-midi? Non. Sur Spa, il y a un pilote français qui est mort. Oh merde, il a son âme, comment il a fait? Tu vois, bah, le raidillon, tu vois. Le? Il est sorti trop vite du raidillon en haut, sur ah le la... Spa. Ah ouais, la sortie en haut de la côte, ouais. Là ouais. De la montée, ouais. Il a tapé le mur de face, il est revenu sur la piste, et il y a un mec qui est arrivé derrière, il a pris mes pleines faces et lui en travers, et il a pas survécu. Qui, celui qui lui est rentré dedans, ou celui qui a sorti de... Non, non, celui qui est revenu, il a tapé le mur de face une première fois, il est revenu sur la piste en travers et l'autre il lui a tapé dedans pleine vitesse. Wow. Quoi. Mais qui c'est qui a pas survécu? Bah le mec dans la voiture qui s'est fait taper dedans, qui kill. Bah ça pourrait être l'autre, excuse-moi. Tu rentres de plein fait dans une autre voiture à cette vitesse là, tu peux ne pas t'en sortir, non, mec, c'est pas d'une évidence. Le mec il est revenu sur la piste, il avait déjà plus que la cellule de survie, et il s'est fait taper dedans. Ah d'accord. Qui est tout le tableau? Jeudi 12, le capitaine a interdit l'alcool pendant tout le voyage. Quand on est sobre, on se rend vraiment compte à quel point ce Raffio est mort. Il y a bien eu un accrochage entre ces deux abrutis de Wilson et Anderson juste après notre départ, mais Ferris les a calmés en moins de deux et depuis c'est aussi calme que dans une église. J'ai parlé à un des gars qui a embarqué la cargaison, il m'a dit qu'ils avaient chargé pas mal de cercueils à bord. Rien d'étonnant jusque là, mais il a dit qu'un type avait vérifié que les cercueils étaient installés bien comme il faut dans une décale. De manière vraiment précise, c'est pas le genre de traitement auquel le premier troufion venu aurait droit. Du coup, je me demande qui ça peut bien être dans ces cercueils. Vendredi 13, Pérez a dit qu'ils avaient fait de la gnôle avec des ingrédients qu'ils ont fauchés. Très très bon ça. On doit se retrouver plus tard dans les cales pour voir ça. Minable cette gnôle. Ah bah non, pas très très bon. Pérez a dit qu'il était beurré au bout de 4 verres, mais c'est des foutaises, c'était du pipi de chat. Samedi 14. Paraît qu'un des gars a jeté un œil dans la cale où se trouvent les cercueils. Je vais lui demander ce qu'il a vu. Peut-être même qu'il pourra m'y faire entrer. Tout est en place, il dit qu'il peut me faire entrer en douce. On va y aller ce soir. Pas de suite au journal, ils ont dû mourir. Le tableau, il était là-bas.
Ouais, tu vois tout à l'heure là quand je t'ai fait montrer la petite pièce à gauche là. Oui. Bah quand on est sorti, il y avait deux portes. Et dans une porte, juste avant de prendre la porte, il y a sur la droite, il y avait une espèce de mannequin. Ouais. J'étais pas sûr. C'était un mannequin, mais en fait c'était une imagination. Parce que là j'ai vu une meuf au milieu de... Là il y avait une meuf au dortoir. Là t'as vu une meuf toi? Ouais, une meuf. Debout? Ouais, elle était debout, elle était en train de me faire coucou. C'est vrai? Ouais, c'est une espèce de meuf en truc de médecine et tout. C'est là le tableau. Merci. Bon, qu'est-ce qu'on commande ce soir? Burger King. J'arrive, Pablo, j'arrive! J'arrive! Quoi, toi? J'arrive! Oui, j'arrive! Qui tu parles? Bon, vas-y, faut qu'on termine le chapitre Starbull frère, puis je vais arrêter là. Ouais, tranquille. Pourquoi tu vas où après? Ah ah! Ça me regarde pas. Attends. Ouais, sinon, non, j'avoue, ma question est indiscrète, je suis désolé. Décroche le téléphone Starbull, si ça se trouve on peut communiquer tous les deux. Vas-y. Donc toi tu vois une nana qui te fait coucou et moi j'ai vu une silhouette, c'était un mec dans la pénombre qui s'est barré. Très bizarre. Et t'as vu quoi dans le tableau? Bah c'est un flashback et c'est... Là-bas. C'est pas lui, c'est l'autre noir qui est avec nous qui va se faire éclater la tête par quelqu'un. Il y a quelqu'un, c'est sûr. Pas lui, autre. Moi j'ai vu lui. Ah bon? Ouais. Qui se fait éclater la tête? Ouais. Bah soit j'ai mal vu, soit t'as mal vu, soit c'est bizarre. Oh il nous a pâte. Ouais, ouais bon, ça c'est un peu gros quand même. Et Starbull monte toutes tes couilles. Tu veux la chercher? Je sais pas, fais comme tu le sens, c'est tes choix. Hein. Ouais, je le débile. Oh, il fait ça. D'ailleurs, je voulais te parler de ça. Attends. T'as vraiment commandé le Talfro ou pas? Je pensais que tu parlais d'une tête, genre d'un visage. C'est lui moi que j'ai vu dans la vision hein. C'est pas vrai, attends. Ouais, ce métis là avec les lunettes ouais. Non, l'autre. C'est pas vrai. Bah du coup il va se faire éclater hein, t'auras dû y aller je pense hein. Attention. T'es sérieux Starbull c'est ça? Oh non, avertir l'autre, mais attention. Waouh. Non mais c'est... Non mais sérieux. Lui il le voit mais il y va pas quoi. Mais il a peut-être des alus comme nous hein. Ah il va reprendre la tête. Ok, qui est là? Je vous ai entendu! Putain, il est pas frais quand même. Qui est là? Oh, ça... Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas! Ta gueule! Je veux savoir où sont les autres. Vas-y la meuf là c'est le bon moment pour l'attaquer. Ah
dans cette fin de Starbull. Ah, magnifique. Foutu navire de merde. Allez, faut qu'on les suive. Ok, on y va. C'est fini le chapitre, tu crois? La terminus qui est court là, c'est abusé. Ah non, ça fait un moment qu'on est dessus, hein. Oh, kicker les fils. Tu m'emmènes comme ça. Et pourquoi je te le dirais? Attends, Steboul fait un choix et c'est moi qui prends le contrôle, qu'est-ce que t'avais comme choix? Juste un petit truc, un petit papier. Hein? Ouais, j'ai ramassé un petit papier, c'est tout. Et comment j'ai ça fait du tout. C'était marqué Steboul fait un choix. Et j'ai pris le contrôle du personnage où c'était marqué Steboul fait un choix. Avec qui là? Avec le noir. Pas lui avec les lunettes. Ouais. Fais gaffe, tu vas peut-être te faire éclater la tronche. Ah bah, je te sais. Hé hey. Arrête. Touche pas à ça. Trop discret en même temps. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Tu ne fais qu'obéir à ses ordres, c'est ça? On peut aller par le bas. Non. Oui. Ça me dit pas ce que je mange tout ça. Stop. Un Burger King. Non, c'était boule, non, j'aime pas le Burger King. McDonald's. J'ai envie de manger un indien, j'ai envie de manger une pizza. Tiens, y'a un truc là. Regarde, là, y'a un tableau. Oh, vous savez, j'ai trouvé, je vais m'éclater un gros kebab. Oh, bâtard. Oh, aussi bon que le cul de chaussette. Oh putain. Qui kiffe cette toi que je parle, ton petit cul d'amour. Oh, les yeux, ils me suivent pas, gros. Les yeux? Qu'est-ce qu'il fout là, Lésion? Il a un rôle principal dans le jeu. Sérieux? Ouais. Allez, c'est bon! Montre-toi! Assiette kebab, ma couille. Merde! Bâtard, le truc est tombé comme ça. Je l'ai maudit, ce bateau de merde. C'est obligé, un truc là-dedans. Ouais, t'es sûr. Médan. J'ai le casque Médan. Médanophonore. NG Médan. Oh, c'est quoi, c'est? Starbulilla. Oh la pauvre. Toute dégueu, mon gars. C'était quoi ce bruit? Peut-être que tu découvres des secrets ou quoi? Non, c'est un mec. Ferme, je veux plus t'entendre. Ezibardiza prépare ma commande. Oh, attends. Il meurt qui fait plaisir. S'il te plaît.
Hey, t'es pas obligé de faire ça. On dira quand on aura deux minutes pour discuter, chaussettes. Mon Dieu, ce type, il est sûrement encore ici avec nous. Je veux dire, tu meurs sur un bateau, ton âme reste sur le bateau. Allez, je sais pas de quoi tu parles. Je peux prendre rendez-vous hein, pour parler, si tu veux. On avance. Non. Putain. Oh, les escrocs de mettre une cinématique. C'est quoi ce bordel? Ça, ça faisait un truc bizarre, je te dis, c'est vieux cling dans la salle. Boum 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 boum, I want you in my room. Je ne crois pas. Encore un tableau. Kiki Posterbull, j'ai les yeux qui ont littéralement pété un câble. J'aurais peut-être les yeux littéralement pété un câble pour les deux jours pour tout seul. Il avait quoi les yeux? Bah, il a badé, il est parti en courant avec son flingue, il a tiré et je sais pas où il est. Je vais aller voir. Est-ce qu'il a mangé son gu? Ouais, oh merde, putain, il est plus là, il y a plus que sa capette et sa lampe. Mais non, vas-y, genre, le tapon, on va le relire. Putain. Oh, il y a un tableau. Putain. Ah, j'ai vu un mec, on voit pas son visage, il a une grande capuche, il a un bâton avec une petite tête de mort au bout. Oh, c'est quoi c'est? Et lui? Oh. Désolé, je suis désolé. Wow, le mec il vole avec son vélo, il passe par-dessus les bâtiments. Ok, premièrement, dis-moi comment tu l'as dépassé. Waouh. Et ensuite, comment t'es arrivé là? J'essayais de te rattraper, tu sais, te sauver, tout ça quoi, mais j'ai entendu des bruits étranges et j'ai dû me cacher. Fort, Amanda. Je veux juste sortir de ce putain de trou et remonter à l'air libre. Impressionnant. Door is locked. Ah, il a 9 boules Rainbow Six là. Tu fais un cercle, tu vois. Ouais, j'ai juste un boule de secret. Donc je suis un... On va voir si j'ai encore de secret. Voilà, c'est bon, c'est crâne. Oh, le bâtard. Oh, il est plus là en plus. Mais non. On est dans la cale 3 là, non? Ça doit pas être possible. C'était...
t'as plein de secrets, Star Bull frère. T'es encore un juste derrière. Il faut le secret. Hey, l'affaire. Tu fais quoi? Tour de garde, emplacement cale 3A. Ici. Reed, Miller, Davis, Perez, Griffin, Pattison, O'Neill, O'Neill, Griffin, Perez, Davis, Miller, Reed. Entrée interdite dans les zones surveillées. Jamais votre poste avant l'arrivée. Fils de pute, m'en doute. Oh. J'ai vu quelque chose, je suis pas fan. Charles T. Perez. J'ai trouvé Perez. Il est pas bien. L'odeur commence à péter un câble. Bah non. Oh, il y a un mec qui est comme pas sûr. C'est Sledge. Place au mal musclé. Je me retrouve tout seul. Oh, caca. Moi, sérieusement, ça m'a fait leur système. Oh.
c'est bizarre le jeu. C'est toi qui appuie. Ouais, je. Plus de dark parce que. Putain, c'est abusé. Tu vois, il y a un couloir, je passe une porte. Tu vois, ça fait une espèce de. Ça fait une espèce de L. Ouais. Il y a une porte, j'ouvre la porte et ça me re-TP à l'endroit exact. Là, je rouvre la porte, il y a encore le L. Fliss est derrière moi. Il y a encore le cadavre, je repasse une porte et ça me re-TP au même endroit. Là, c'est, cette fois-ci, c'est un mec. Ouais, mais c'est des alus, c'est normal. Ouais. Aller par la droite. Quoi ça? Là, j'ai vu le fantôme d'un mec. Cet endroit est pas net. Non, en effet, c'est vraiment pas net. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est chaud, ça marche pas les touches quand tu fais. Ouh là là. La cabale doit silencieusement se réunir et que cinq membres, saints de corps et d'esprit, trois femmes et deux hommes, premier-nés, le visage encapuchonné. Important pour le sorcier, le bien-être spirituel, fidèle qu'avant la fête d'Akram à Marie, soit rituel de Preskia-Keia, je sais pas, afin que la cabale chasse les démons. Un pentacle doit être tracé et chaque membre doit se tenir l'une à l'une de ses pointes. Une femme portée par la mère doit être placée inconsciente au centre du pentacle. Alors l'assemblée doit réciter l'incantation de Sora, épée à la main, avec toute l'exaltation possible, telle qu'elle est écrite. Nous, les cinq, nous tenons aux points les plus éloignés mais nous demeurons à portée. Pentacle. Puissant symbole étoilé, tourné de 90... On se termine! Oh là, et pour courir, c'est L1, ouais. Ouais. Tu vois, il n'y a aucune différence. 90 degrés vers là, en traçant avec l'épée l'amulette, criant le plein tacle et la foi, l'épée devant vous est dite d'errance. Pivoter, degré vers là, en traçant avec l'épée de Sogonarin, constitue. Les références, faites face nord, proclamez avec ferveur. Il manque des bouts! Mais il y a eu des trucs un peu chelous. Là, c'est... Oh, mais il y aura un mort là-dedans, c'est obligé. Ah non. Non, mais qui l'aurait. Et bah. Ça faisait trop de bruit. Très bizarre cette ambiance.
Sergio Rico. Non. Ouais. Allez, Fliss, garde la tête froide. Fabio. Il est hyper long ce chapitre. C'est ça qui est bon. Ah non, je dois aller manger. Mais... Il va se péter la gueule, ça se dirait. C'est qui derrière là? Il y a un monsieur au chapeau. Oh! Je l'ai vu en prémonition, ça. Ah bah oui. Jamais joué avec les pentacles. Vas-y, bah, s'il y a pas de fin entre les... T'as fini ton truc ou pas, la Starbull, toi? Ouais. Alors, on va arrêter là. Hein. On est dans la même cinématique, là? On est tous réunis ou pas? Bah, moi, j'ai que la blonde, là. Sur une passerelle, tu viens de tomber, non? Ouais. Ok. On est ensemble. Oh, mais il y a de l'eau ici maintenant! What? C'est pas bon ça. Oh! Ah. Il va m'éclater la tronche, lui. Je l'ai vu en prémonition. Mais c'est les ions. Il nous sauve et en même temps il veut nous tuer. C'est bizarre. Est-ce que ça va? Merci. C'était moi une. J'y crois pas. Tu l'as tué. Tu l'as tué. Oh.
ils sont tous transformés en fait. Non, 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 c'était ma connexion encore. Bon, on verra jamais la fin du chapitre, j'ai l'impression. Oh, il pète un câble. Regarde, je l'ai fait tout à l'heure, là, t'as vu ou pas? Là, pas de soucis, virez-les. Conrad! Merde, quelle est ta fille? Conrad! Hé, c'est moi! Conrad! Quoi, cette merde?